Il était une fois, dans le vieux royaume d'Israël, un homme nommé Jacob, petit-fils du patriarche Abraham et lui-même patriarche à la barbe blanche. Jacob avait 11 fils. Joseph, fils de Rachel la belle, était le préféré. C'était un bel adolescent, à l'œil bleu, l'intelligence vive. Et parce qu'il l'avait fait beau et bon, Dieu l'aimait bien et le lui laissait entendre à travers ses songes. Et il rêvait beaucoup, Joseph. Il racontait ses rêves prodigieux à ses frères, et dans son innocence, il leur racontait même des rêves qu'il aurait peut-être mieux fait de leur taire. Une fois, il avait vu le soleil, la lune et 11 étoiles former dans le ciel la silhouette d'un agneau se rassembler et se prosterner devant lui. Une autre fois, ses frères et lui liaient le blé en lourdes gerbes blondes, quand tout à coup, les gerbes de ses frères s'inclinèrent humblement vers la sienne, demeurée superbement droite. Ça, c'en était trop pour les frères de Joseph, et surtout pour Siméon. Un jour, Jacob envoya ses fils faire paître les troupeaux à plusieurs jours de marche dans une vallée de Canaan. À l'instant du départ, il fit cadeau à Joseph d'une splendide tunique multicolore et il l'embrassa tendrement. Aux autres, il serra simplement la main en leur recommandant de bien veiller sur Joseph. Victime de cette jalousie acide qui jaunit l'âme, perce les entrailles, les frères décident de se venger. Le soir, rassemblés près d'un puits à sécher, Siméon arrache la tunique de Joseph. Les frères se précipitent sur lui et ils le jettent dans la fosse. Siméon interpelle ses frères. L'audace de ce garçon ne connaît plus de bornes. Il se croit le seul héritier de notre père. Tuons-le ! Ruben s'interpose. Non, nous aurions tort de nous rougir les mains. Contentons-nous de donner à Joseph une bonne leçon. Faisons-lui passer la nuit dans ce puits asséché et rêvera bien qui rêvera le dernier d'une échelle. Bonne idée, disent les frères. Et ils s'endorment sous un ciel subitement en deuil d'étoiles. Et la rumeur d'une caravane qui les réveille. Judas, un autre frère, prend la parole. Et si nous le vendions, l'homme au songe, nous y trouverions profit sans crime. Bonne idée, s'écrient les frères. Et c'est ainsi que pour 20 sicles d'or, Joseph fut vendu par ses frères à des marchands ismaélites. Je n'opposais à leur crime.
Hélas, je plains mon père, et les ingrats qui me vendaient. Hélas, je plains mon père, et les ingrats qui me vendaient. Les frères tuèrent un vieux bouc pour tremper dans son sang la tunique de Joseph, qui fut lacérée et portée à Jacob, à qui l'on annonça à grands cris d'un désespoir fin la mort de son fils préféré, aux griffes d'une bête féroce. Pour Jacob, c'est la nuit. Les yeux du patriarche se ferment pour toujours, gardant pour unique image une tunique multicolore tachée de sang. Mais les chemins de Dieu suivent souvent en Orient ceux des caravanes. Et c'est ainsi que Joseph, emporté comme esclave, arrive sur les rives du Nil. Il est acheté par le commandant de la garde du Pharaon, un nommé Putiphar. Et par la grâce de Dieu, Joseph ne cesse d'accomplir des prodiges. Mais un jour, Dieu, dans une de ses minutes de distraction, détourna son regard des hommes. Et Madame Putiphar posa le sien sur Joseph. Et elle ne put dissimuler ses sentiments. « Madame, dit Joseph horrifié, je ne saurais voler le moindre bien de mon maître, pas même son épouse. Madame Putiphar, perdant toute retenue, se jette sur Joseph, qui lui abandonne son manteau, et muni de cette pièce à conviction, l'impudique prétend avoir eu grand mal à repousser les assauts de Joseph, qui est immédiatement jeté en prison. Dans la prison, pour réconforter ses compagnons, Joseph se met à interpréter leurs rêves. Et tout ce qu'il dit devient réalité. Un jour, Pharaon fit un rêve qui laissa pantois les prêtres et les sages d'Égypte. Alors on fit venir Joseph. Jeune Hébreu, j'ai rêvé. J'ai rêvé de cette vache grasse sortant du Nil. Surgirent alors sept vaches maigres qui se jetèrent sur elles pour les dévorer. Puis j'ai vu devant moi sept épis de blé gonflés, se faire engloutir par cette épi grêle. Qu'en dis-tu ? Très simple, dit Joseph. Les sept vaches grasses et les sept bons épis font sept années d'abondance. Les sept vaches maigres et les sept épis desséchés font aussi sept années de famine, qui dévoreront tout le pays. Si le songe a été répété deux fois, c'est que la chose est décidée, et Dieu est maintenant pressé de l'accomplir. Conquis par l'admirable simplicité de Joseph, Pharaon le nomma ministre, puis régent, sous le nom de Cléophas, prince d'Égypte. Souvenir.
Ce temps-là, le malheur s'est abattu sur Canaan et sur la famille. Les champs, les pâturages sont ravagés par la sécheresse. Les frères, et surtout Siméon, sont torturés par le remords. Rachel la belle est morte, en mettant au monde le 12e fils de Jacob, Benjamin. C'est le seul réconfort pour le patriarche, son dernier-né, les yeux de sa vieillesse. Jacob a la certitude que le salut viendra d'Égypte. Il envoie ses fils à Memphis chercher le grain que distribue aux peuples en détresse le régent du Pharaon. Il garde seulement près de lui Benjamin. Et voilà tous les frères qui se pressent aux portes du palais de Cléophas, pleins d'espoir, seuls. Siméon, hanté par le souvenir de Joseph, croit le revoir sous les traits de chaque esclave croisé en chemin. Il a peur. Il n'a plus de parole à dire.
Au premier rang de la foule, prosterné à ses pieds, Joseph Cléophas reconnaît immédiatement ses frères. Ah, il sent son cœur s'enfuir. L'exil, l'esclavage, la prison, la séparation de son père lui durcissent les traits. Et c'est ce visage sévère que les 10 frères coupables qui relèvent timidement la tête aperçoivent sans le reconnaître. D'où venez-vous ? Siméon ne peut parler. Il laisse la parole à Ruben. Du pays de Canaan, d'où on fuit l'eau, le miel, la vie, d'où nous envoie notre vieux père pour demander asile et protection à l'Égypte et à son maître. Mais où est votre père ? Dans notre village, avec notre jeune frère Benjamin. Il attend la réponse qui prolongera ses vieux jours. Et Siméon se met à implorer. Sauvez-nous, ô Seigneur ! Sauvez-nous, Seigneur ! Je suis ici pour moi.
adresse ses vœux. Hors du palais, la foule immense déchante la reconnaissance. Déjà vu retentir, Seigneur. Décide d'accueillir ses frères sans que ceux-ci soupçonnent le moins du monde sa véritable identité. Il fait chercher son père et son frère Benjamin. Pour sauver sa famille et son peuple, Jacob consent à ce dur voyage. Guidé par Benjamin, il arrive aux portes de Memphis la Blanche.
Joseph apprend l'arrivée de son père. Vêtu comme un noble citoyen d'Égypte, il se rend au camp des Juifs. Il fait encore sombre. La lune ne tient plus au ciel que par un fil. C'est l'heure de la rosée, de la fraîcheur. C'est l'heure où les songes habitent encore le cœur des hommes. C'est l'aurore. Déjà, les chants du matin se font entendre. Ils attendrissent Joseph. Ils lui rappellent les premières émotions de son enfance. Heureux de ma jeunesse, où je mêlais ma voix à celle de mes frères. Soudain, une ombre, enveloppée des derniers lambeaux de la nuit, c'est Siméon. Il porte son remords comme un fardeau et cherche à qui le confesser. Il croise Joseph, ne le reconnaît pas. Il s'accroche à lui, il lui raconte son forfait, il dit qu'il doit partir expié. Il faut qu'il obtienne le pardon de son père, il vomit ses serpents. Et son aveu adoucit sa douleur. Le soleil fait éclater le jour, éclaire le visage. Siméon reconnaît le tout-puissant Cléophas. « C'est la fin d'Israël » s'écrie-t-il. Et il s'enfuit. Sous une couverture de laine rugueuse, le vieux Jacob repose. Joseph le regarde avec tendresse. À côté de lui,
veille un enfant magnifique. Qui es-tu ? Demande Joseph, qui le sait fort bien. Benjamin, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Benjamin interroge à son tour le noble Égyptien. Connaît-il le régent du Pharaon, le grand Cléophas ? Un peu, dit Joseph, mais seul Dieu connaît tous les hommes et le fond de leur cœur. Mais toi, enfant, raconte-moi ton pays, ta famille. As-tu des frères ? Comment es-tu venu ici ? Alors Benjamin raconte. Il raconte Canaan la douce, privé de ses jardins, le Jourdain, veuf de son eau, les épis, humiliés, les chèvres, stériles, les enfants qui meurent, la douleur des mères aux yeux secs, car même les larmes refusent de couler. Il semble que tous ces malheurs se soient abattus sur Israël depuis la mort de Joseph, ce frère bien-aimé, dévoré par une bête féroce. Ah, Joseph! Non, il ne l'a pas connu. Mais chaque jour, lui, Benjamin, s'efforce de le remplacer de son mieux auprès de son vieux père. Joseph ne peut résister au désir de revoir sur le champ Jacob. Chut, dit Benjamin, il ne faut pas le réveiller. Seuls ses rêves le consolent parfois de la mort de son fils. Oh,
J'ai rêvé. J'ai rêvé, dit Jacob. Je traversais le désert, entouré de mes enfants et m'appuyant sur toi, Benjamin. Quand tout à coup, le vent se lève, plein de rage, jetant des tourbillons de sable à la face du ciel, réfugié derrière des nuages d'électrum. Tout se brouille dans le désert en furie.
tout se calme, brusquement. Je me retrouve seul, abandonné de tous, même de toi, mon enfant. Seul au milieu d'une plaine blanche, stérile. J'ai faim, j'ai soif, je me prosterne, je supplie Dieu de me laisser rejoindre mon Joseph au séjour des morts et d'épargner mes enfants. Et ta voix se fait entendre, Benjamin. Je recouvre la vue. Je te vois venir, tenant la main d'un inconnu. Soudain, mon cœur le reconnaît. C'est Joseph. Joseph, mon fils, et je lui tends les bras. Oh, mon Joseph, cher enfant de mon cœur, le temps n'a pu séjourner.
Jacob croit reconnaître des accents familiers. Ce qu'il entend et voit son fils partout. Il avoue à Benjamin que depuis 15 ans, le chagrin lui fait parfois perdre la tête. Il est si seul, malgré tous ses enfants et même malgré lui. « Mon père, dit Benjamin, je suis là et je ne vous quitterai jamais. » Toi, le digne appui d'un père, jamais, jamais tu ne me quitteras. Oui, je vous le promets, toujours, toujours je t'aiderai, Robin. Je suis privé de la lumière, c'est toi qui conduiras mes pas. Toujours, toujours je guiderai vos pas. C'est toi qui conduiras mes pas. En vain la plus triste vieillesse m'accable de son poids pesant.
Sans se faire reconnaître, Joseph invite Jacob, Benjamin et tous les frères dans son palais à partager son repas. Jacob rend hommage à son hôte et regrette l'absence de Siméon, dont il ne s'explique pas la disparition. « Ne vous inquiétez pas, noble vieillard, dit Joseph. J'ai envoyé les soldats de Pharaon à la recherche de votre fils jusque dans le Sinaï. Car aujourd'hui, je veux que vous soyez heureux. Dieu qui féconde la terre redonnera bientôt la prospérité à vos champs. Je ne veux que le bonheur de mes enfants, dit Jacob, car moi, j'ai vécu plusieurs fois le nombre des années que Dieu accorde d'ordinaire à un homme. Et je ne souhaite depuis fort longtemps que rejoindre mon fils Joseph au séjour des morts. Les desseins de l'Éternel n'appartiennent qu'à lui seul. « Et l'homme juste ne peut que s'y soumettre, » répond Joseph. Joseph, qui ne sait toujours pas s'il va se faire reconnaître, il attend de Dieu l'inspiration. «
Soudain, on entend des gémissements mêlés à des ordres. Utobal entre avec Siméon. Tous les frères baissent la tête. Tandis que Siméon, il n'en peut plus, il éclate. Joseph n'est pas mort, mais moi, Siméon, j'ai voulu le tuer. Et finalement, sous les instances de mes frères, je l'ai vendu comme esclave. Oui, j'ai vendu le sang et la chair d'Israël. Alors, Jacob se dresse, immense. La statue du reproche dont les pieds s'appuient sur la terre, mais dont la tête semble toucher le ciel. Et une voix impitoyable fait pleuvoir sur les frères indignes les malédictions d'un Jéhovah vengeur. Quitte pour toujours, quitte pour toujours ces méchants, les traîtres, les traîtres. Ils t'ont privé d'un frère, ils t'ont privé d'un frère. Si l'Éternel
Joseph décide de se faire connaître. Père, je suis Joseph, je suis vivant. Ne maudissez pas mes frères. Pardonnez-leur puisque je leur pardonne. Pour moi, la clémence est le meilleur des châtiments. Joseph accorde asile à son père, à ses frères, et demande à Pharaon la permission de les établir sur ses terres. Ayant enfin retrouvé tous ses fils, Jacob les bénit et résolut de rester en Égypte malgré sa nostalgie des parfums de Canaan. Car c'est en Égypte que le bonheur lui a été rendu. Il fit venir ses petits-enfants, leurs femmes, les femmes de ses fils, plus de 70 personnes. Et ainsi s'établirent en Égypte les fondateurs des 12 tribus d'Israël. Ils y cultivèrent heureusement leurs terres, en réservant un cinquième pour Pharaon. Et sans la jalousie qu'ils inspirèrent à leur tour et un rien d'ingratitude de leur part, peut-être y seraient-ils restés. Mais en vérité, c'est surtout l'appel des collines de Canaan qui donna un jour la force aux Hébreux de quitter leur exil, de vaincre le désert, la mer, les armées et le doute pour retrouver la terre de leurs ancêtres. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, écoutons le bonheur de Joseph, de son père, de ses frères et celui de l'union d'Israël et du pays d'Égypte. Jacob a retrouvé son fils.